L'Hebdo Patrimoine, l'émission dédiée aux professionnels de la finance sur Radio Patrimoine. Bonjour Pierre Bérangier, vous êtes le directeur commercial d'Histoire et Patrimoine. Merci d'être avec nous sur Radio Patrimoine. Et merci de m'accueillir, nous accueillir. Histoire et Patrimoine, c'est un groupe qui a déjà 20 ans. Pouvez-vous nous le présenter ? Alors, 20 ans, non, un peu plus de 20 ans. Un peu plus de 20 ans, mais j'aime pas trop parler du passé, en fait. Je préfère parler du présent et de l'avenir. Alors, l'historique de ce groupe-là, qui a commencé à travailler sur les dispositifs Malraux, monuments historiques, déficit foncier, est important parce qu'il valide aujourd'hui ce que l'on est, évidemment. Et pourquoi un grand groupe majeur dans l'immobilier comme Altarea Cogedim s'est intéressé à nous au point d'en faire une filiale à 100%. Donc le passé, évidemment, valide le présent, mais je préfère qu'on parle du présent aujourd'hui pour dire que nous sommes un des spécialistes, oui, mais je ne suis pas trop d'accord avec vous, un des spécialistes, le spécialiste, aujourd'hui, de certains secteurs économiques dans l'immobilier, type monuments historiques, Malraux, déficit foncier. Nous sommes donc filiale d'Altarea Cogedim, groupe que je ne présenterai pas, je ne fais pas l'injure de présenter le groupe Altarea Cogedim, ce qui nous donne une sécurité dans nos opérations extrêmement importante, ce qui nous donne une assise extrêmement importante, ce qui nous donne des devoirs aussi très forts vis-à-vis de notre actionnaire et qui attend beaucoup de nous. Parce que en fait, aujourd'hui, je crois qu'on est le seul exemple, je suis d'ailleurs persuadé qu'on est le seul exemple d'un groupe intégré entre le neuf, Altarea Cogedim, Pitch, maintenant Severini, et l'ancien, Histoire et Patrimoine. C'est très original comme démarche, hein, et ça nous permet aujourd'hui de nous positionner sur des très grands projets qu'Histoire et Patrimoine n'aurait jamais pu faire, effectivement, et qu'Altarea Cogedim peut aussi remporter, parce qu'il y a cette composante-là. Donc aujourd'hui, incontestablement, le leader en matière de monuments historiques, ça, je crois que c'est incontestable, et personne ne peut le contester, alors on verra. En concurrence commerciale, je dirais, les gens peuvent le contester sur le terrain, mais enfin, ça tient pas souvent, ça tient pas longtemps, je voudrais dire. Et ensuite, on se développe un peu plus sur le Malraux, sur les opérations au cœur de ville qu'on avait un peu négligées jusqu'à maintenant, parce qu'on avait fait des choix. Mais là, on revient sur le cœur de ville avec le Malraux. On a beaucoup d'opérations en loi Malraux. Je ne ferai pas l'injure à nos auditeurs d'expliquer la différence entre le monument historique et la loi Malraux, puisqu'on s'adresse à un public de professionnels, et des opérations en déficit foncier pur qu'on essaie de développer à la fois sur le Grand Paris, mais aussi sur des villes significatives, pour s'attirer les bonnes grâces d'investisseurs fortunés et fortement imposés. Voilà. Vous parliez des cœurs de ville, c'est l'un des sujets évidemment très actuels en matière d'immobilier. Mm-hmm. Quels sont vos projets en cours justement ? Alors les projets en cours, je vais parler de monuments historiques. On est très présent sur les Hauts-de-France, très très présent. Alors c'est des opportunités qui se sont faites jour comme cela, mais la région des Hauts-de-France c'est une région qui se développe énormément, beaucoup tout autour de Lille, avec une grande opération à Marquette-les-Lilles sur la reconversion des grands moulins de Paris. Nous avons lancé très récemment un grand chantier sur Armentières, où nous faisons revivre un bâtiment magnifique industriel autour de la bière. Et on en profite pour relancer avec la famille Motte une bière qui s'appelle la bière Motte Cordonnier. Et la famille Motte, qui était propriétaire de cet ensemble, qui nous l'a cédé, je vous dis, il y a quelques mois. Et j'invite d'ailleurs tout notre auditoire à venir nous voir sur Patrimonia, sur notre stand, qui sera aisément, j'allais dire, accessible, avec une connotation bière très importante. Mais bon, on va rester dans les limites. Oui, avec modération, avec modération. On va rester dans les limites de la loi. Mais sur Patrimonia, nous faisons, j'allais dire, on ne fera pas que ça comme présentation, mais on met l'accent sur ce magnifique bâtiment et sur cette magnifique reconversion au sein de la métropole européenne de Lille, qu'on accompagne à la fois sur Marquette et Lille, donc les grands moulins de Paris. Je disais qu'il y a la reconversion de silos et de transformation de tout ce qui était autour du blé, de la farine, etc. Et là, on est plus bière sur Armentières. Donc, grand projet sur les Hauts-de-France. Grand projet en gestation sur l'année prochaine, mais je n'en dirai pas plus,
à l'intérieur et au centre de l'île. Nous avons, sur la région administrative des Hauts-de-France, mais qui est plus proche de Paris aujourd'hui, un très beau sujet sur Compiègne, en monument historique également. Voilà, donc ça, ce sont les projets actuels en monument historique, auxquels on adjoint aussi un très beau dossier sur Melun, en région parisienne, mais on est plus, j'allais dire, sur ce secteur-là. Après, en Malraux, nous avons beaucoup d'opérations dans le sud qui marchent très bien. Uzès, Avignon, Perpignan. Alors, cœur de ville, comme on disait. On est en centre-ville, en secteur sauvegardé, en PSMV. On est en centre-ville complet, en Malraux, essentiellement sur le sud. Quelques dossiers de déficit foncier également sur la Côte d'Azur, Villefranche-sur-Mer, Saint-Raphaël, voilà. On vise aujourd'hui les 600 lots. L'actionnaire nous a demandé de doubler notre production rapidement. Donc on s'emploie à le faire. Il faut à la fois chercher, trouver et écouler. C'est notre pain quotidien. Il y a du travail. Oui. À qui s'adresse votre offre ? Alors, peut-être les territoires, les familles sans doute un peu fortunées, qui ont un peu de patrimoine. Est-ce que monsieur tout le monde qui a hérité, je ne sais pas moi, d'un petit donjon du 17e, fait appel à vos services ? On ne va pas travailler comme ça, Effectivement, nous nous adressons à une clientèle un peu fortunée, on va dire, mais fortunée parce qu'elle paye beaucoup d'impôts. En fait, notre raison d'être, c'est d'alléger la facture fiscale aujourd'hui de tranches d'imposition 41-45%. On peut avoir des clients sur des tranches d'imposition à 30%, c'est évident, mais ce n'est pas la majorité de notre clientèle. La majorité de notre clientèle, ce sont des gens, j'allais dire, qui payent évidemment beaucoup, effectivement, beaucoup d'impôts. Maintenant, on peut, je crois, toucher des gens dans les tranches à 30%, je vous l'ai dit, c'est plutôt 41-45 aujourd'hui. Même avec la réforme de l'impôt, le prélèvement à la source, etc., etc., ça a été un peu plus compliqué de faire comprendre aux gens qu'ils allaient quand même payer de l'impôt, parce que ça a été aussi notre combat de début 2019, parce que je ne sais pas ce que se sont figurés les gens, qui ne paieraient pas d'impôts ou moins d'impôts, je ne sais pas ce qu'ils se sont figurés, mais là, à la rentrée, l'addition est douloureuse et on voit revenir beaucoup de clients très, très vite. Alors, le développement, il ne se fait pas sur des gens qui ont hérité, comme vous dites tout à l'heure, d'un genre. Non, notre développement, il va se faire sur des lieux où il y a une vraie demande. Un vrai potentiel locatif, un vrai potentiel économique. On n'ira jamais sur un château au milieu des bois. Le château au milieu des bois, c'est magnifique. Mais est-ce que derrière, il sera rempli de locataires qui vont venir vouloir occuper les lieux ? Ça, c'est encore un autre problème. Donc, on va dans des endroits qui ont une véritable réalité économique, évidemment, la région parisienne, le Grand Paris, tout ça, on est très présent là-dessus. On est présent aussi dans des régions, je voulais citer Hauts-de-France, qui a une réelle dynamique. On a implanté des développeurs fonciers partout, région lyonnaise, le sud, etc. Non, voilà, mais on est guidé par la réalité économique, la réalité des prix, la réalité du terrain. Ouais, on est en concurrence évidemment avec des programmes neufs qui n'ont pas du tout la même raison d'être, c'est évident. Mais voilà, donc notre leitmotiv, c'est la réalité économique, la réalité locative, se trouver dans des endroits qui ont un vrai potentiel. Justement, quel regard vous portez sur notre patrimoine national qui est quand même très riche en France ? Alors on a plusieurs. Le patrimoine national aujourd'hui, on divise souvent en patrimoine religieux, en patrimoine militaire. Hein, on cherche, si vous voulez, à réhabiliter ce patrimoine effectivement. Mais le regard que l'on a, nous, ce que l'on veut, c'est être un véritable acteur de ce patrimoine-là. Mais je vous dis encore une fois, je vous renvoie à ce que je disais tout à l'heure, pas à n'importe quel prix. Aller restaurer un pont
parce qu'ils tombent en ruine. Non, ça n'a pas d'intérêt. J'allais dire, dans ce qu'on fait, dans la réhabilitation du patrimoine national, et ce que fait Stéphane Bern avec toute son action aujourd'hui, c'est parfait, c'est magnifique, mais ce n'est pas notre positionnement. Oui, ce n'est pas votre cœur de métier, bien sûr. Ce n'est pas notre cœur de métier. Nous, on va le faire en respectant, effectivement, avec des architectes des bâtiments de France ou des architectes chefs des monuments historiques, on va réhabiliter, encore une fois, des casernes, des hôpitaux, des bâtiments industriels, pour en faire après un outil financier et un outil fiscal vis-à-vis de nos clients. Mais évidemment, à travers ça, on a un regard très acéré sur la réhabilitation de notre patrimoine en général. Vous parliez de Stéphane Bern, notamment grâce à lui, il y a un engouement national pour le patrimoine. C'est un constat que vous faites, vous aussi ? Oui. Égoïstement, ça nous a aidés. Ça nous a aidé parce que il y a eu ce focus, si vous voulez, sur la volonté du gouvernement à travers cette mission patrimoine, de réhabiliter ce qui se fait, ce qui devait, j'allais dire, être réhabilité. Évidemment, on en a parlé. Et c'est très bien parce que nous, on peut aussi se glisser là en disant, vous voyez, nous, on est un des acteurs majeurs. Alors, certes, avec cette connotation financière et fiscale, mais on est un des acteurs majeurs de la réhabilitation de ce patrimoine. Et je ne sais pas si vous avez vu les dernières études, mais le neuf continue à avoir son intérêt à travers les lois Pinel ou même l'accession à la propriété. Mais les prix de l'ancien n'ont jamais été aussi élevés. L'engouement pour l'ancien revient de façon très, très importante aujourd'hui. Donc je pense que tout ça est lié. Tout ça est lié. Et ce que fait le gouvernement dans les cœurs de ville et les incitations fiscales qui sont redonnées à travers notamment la loi de Normandie vont dans ce sens-là. Quelle pourrait être la solution pour dynamiser encore plus l'investissement sur les belles pierres ? Des incitations fiscales plus importantes. Voilà. Quelque chose qui puisse intéresser des gens qui ont à la fois la capacité de faire financière, fiscale, la capacité d'emprunter, même si les taux sont très bas, la capacité d'emprunter aussi, parce que malgré tout, on est un peu plus cher. Il faut le savoir. On est plus cher aujourd'hui en monument historique, en Malraux, voire en déficit foncier. Pourquoi ? Parce qu'on achète un foncier qui existe, il faut qu'on fasse des travaux. Et ces travaux-là, ils ne doivent pas être faits n'importe comment. Si on les fait à la petite semaine, c'est pas la peine. Donc, on est un peu plus cher, donc il faudrait des incitations fiscales plus importantes. Alors, c'est pas un appel que je lance à Bercy, parce que je sais que c'est pas la mode. Mais bon, voilà. Disons, à l'heure où on parle de remettre en cause certaines niches fiscales, enfin, je ne sais pas, j'en ai vu que je ne connaissais même pas. Peut-être que celle-là. Alors, en plus, il y a des études qui sont sorties qui disent que, effectivement, l'investissement dans l'immobilier, la fiscalité dans l'immobilier, loin de coûter, elle rapporte. Je ne sais pas si vous avez vu l'étude qui est sortie hier, bon, qu'on avait déjà un peu vu. Mais voilà, il faudrait qu'il y ait une incitation encore plus importante. Et là, ça serait vraiment. Pas d'appel du pied, mais le message est passé. Merci Pierre Bérangier d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le directeur commercial d'Histoire et Patrimoine et vous êtes le bienvenu sur Radio Patrimoine. Merci de votre accueil. L'Hebdo Patrimoine, l'émission dédiée aux professionnels de la finance sur Radio Patrimoine.